Streamlabs. Ah ouais, non, non, mais c'est... Non, mais Ibu... Mais là, on est pas sur le truc, sur Smash Lorraine. Si, si. Mais c'est Ibu qui a aidé à setup le truc. Ah, okay. Non, si, ben, bon, pas sur, alors ça commence, justement, le fameux... Sonic Lorrain et qu'est-ce que je raconte, Sonic Strasbourgeois contre le fameux Game Noir Strasbourgeois. Voilà, aussi le Théo le plus aimé. Alors il faut quand même savoir un truc, Disco Dog n'a jamais réussi à prendre un set à Edgeon. Jamais. Ils se sont croisés plein de fois et jamais Disco Dog n'a pris un set à Edgeon. Ouais mais attends, Disco Dog n'a jamais pris de set à Edgeon à Strasbourg. Ah. Est-ce que Disco Dog serait pas capable de prendre un set en Lorraine après tout ce temps? Ouais. Et puis le Barcraft, c'est pas comme à Strasbourg, c'est un peu sauvage, hein. Ah mais le Barcraft, c'est la convivialité. Et toi quand même, ça commence bien, ça commence bien. Smash qui est passé. La flamme de l'Indien. Ah, au Barcraft, il faut comprendre qu'il y a moins d'air disponible, l'air se raréfie, il y a tellement de monde. Donc les hallucinations, etc. Attendez. L'excitation. Ah, c'est du loser, pardon. On est dans le loser. C'est du loser, ce match de fou, là. Il y a aucun qui a déjà été fait. Et on est sur du LR5. Ok, loser, round 5. Attendez, je vais aller changer mes. Non, t'as parlé, Disco Dog n'est pas mort. Est-ce qu'on est en top 8? Pardon. Ah non, pas encore. Ah non, R5, top 8 qualifier. Voilà, attention, en attendant là, Disco Dog qui garde son. Là, il y a des gens qui adulent, ils vont rien comprendre. Non, mais sur les VOD, ce sera corrigé. Ce sera corrigé sur merde, les VOD. Ouais. Les VOD, sur, c'est sur Twitch ou YG? YouTube. YouTube. Voilà, et ça y est, second stock pour Disco là, et le lead. De la même manière que tout à l'heure. What? Hey, regarde, on voit pas tout. Bah oui. T'as chié dans la colle là. Ok, bon, on va mettre juste loser round 5. On précisera que ce sera ton. Parce que là, c'est ta... là, tu vois ce qui est là. Ouais, c'est bien comme ça. Voilà, pardon. Et du coup, le perdant est éliminé du tournoi et le gagnant va en top 8. Exactement. Et Jian qui a l'air de perdre. Du coup, à l'un des derniers BO3 de cette soirée. En espérant. Et toi qui disais que Disco Dog n'a pris aucun set à Jian, bah écoute. Pour l'instant, ça se profite bien. Mais aucun après... set, ce n'est pas aucune game, mon ami. Voilà, c'est ça. J'aimerais pas m'avancer trop loin parce que. Mais quand même, hein. Le 3 stock facile. Non, mais il remonte pas là. Il remonte pas. Ouais. Ah, si, bah, mine de rien, Disco Dog, du coup, s'impose. Et Disco Sonic, hein. Parce que pour la petite histoire, au Solari Indigo Flame, donc le gros dernier tournoi au Strasbourg, Théo par notre cher Edgeon, il y avait une petite lubie sur les pseudos. Ismaël a démarré, il s'est renommé. Je sais plus comment il s'était renommé, c'était en référence à un artiste et même pas par rapport à Disco Sonic, enfin Disco Dog. Mais tout le monde s'est renommé comme ça, donc genre Glutoniste et Disco Wario ou Disco Wa, je sais plus. Tout le monde avait un pseudo à la saveur disco. Donc je pense que c'est pour ça que Disco change maintenant pour Disco Sonic. Et là, Edgeon qui switch Lucina. Ouais, Edgeon qui joue carry, mais bon, hein, c'est normal hein, quand on est Strasbourg. Le mec qui tacle gratuitement dans le tas. Disco Tony, ouais, c'est ça Yoshi, merci. Allez, en attendant, il y a des Kavinsky qui passent en fond. Un petit night call, un grand classique. Bon, rebonjour Ucheros, il y a un seul 0 à loser. Et alors, non, loser. Moi j'en mets 2. Ouais, si, vous... oui, c'est vrai, c'est loser. Ah merde. Je sais, mais moi. Pendant qu'on parle de loser et tout, regarde Disco là, c'est parce que c'est loser. Et je crois que rien que parce que ça devait chier Shingekido, je laisserai ça comme ça. Attends, attends, on est d'accord que si Disco gagne ce match-là, il gagne le set. Oui. Et Free, ça lui signe la Free. Est-ce que, alors, regarde, Ucheros, va voir me dire. Ce serait la première fois qu'Edgeon se fait battre par Disco. Est-ce que c'est vrai que Disco a pris aucun match à Edgeon? Non, aucun match. Aucun set. Aucun set, voilà. Des games, si. J'aimerais une confirmation parce que, hein, quitte à faire un stream de Strasbourgeois à Nancy, on voit qu'il n'y a qu'un chat Strasbourgeois. Bah ouais, donc. Sur le stream. Allô, les Strasbourgeois. De Nancy. Le fait qu'il ne soit plus à domicile, il est plus découragé. Je sais pas. Par, mais il n'y a plus d'histoire, Ucheros. Ucheros, tu pourrais faire gaffe. Ah putain, Ucheros, à quoi tu sers là, hein? Non, c'est bon. Ouais, mine de rien, Edgeon, c'est pas n'importe qui, mais Disco Dog, il a gagné un match. Au tournoi récemment, il me semble. J'avais vu un top 8 passer, il y avait Disco qui était en premier, justement. Oui, non, mais. Et son tweet où il était bien content, justement. Oh là là là, et voilà, là, il va chercher loin. Oh là là. On tente l'edgeguard d'OBO, ça aurait été le kill. Et la bim, le ouais, dernier. Ouais, après, voilà, Game & Watch off stage, c'est une valeur sûre. Et en vrai, je pense que s'il serait passé de l'autre côté du stage, il serait passé. Ouais. Et là, Stock Trade qui avantage grandement Disco Dog. Et Disco Dog qui semble parti pour 2-0. Et Edgeon de façon très propre. Edgeon finirait-il à 9ème place? Déjà que très très jolie performance de Zenryukan d'avoir 2-0 Edgeon en winner. Putain.
Ah bah oui, c'est pour ça qu'il est en quand tu dis ça, rien, qu'est-ce qui se passe? Le malheureux. Il fait le malheureux. Mais bon, allez, on souffle, on serre les fesses et là on gagne. Voilà, le commentator's curse qui semble s'appliquer. Edgeo qui nous sort sa Lucina, sa pocket Lucina, qui réussit plus ou moins. Alors attends, Edgeo, soyons clairs, il a une pocket, il a un pocket Falco, un pocket Lucina. Non, Falco, il le secondary, il le traîne depuis 3-4 mois là déjà. Ah ouais, quand même. Ça fait 3-4 mois qu'il joue régulièrement. Lucina, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu son perso la PLS, tu vois. Ouais, c'est du style, c'est la match-up contre Gamenot. Tu vois, c'est, genre, c'est le perso, tu vois, il l'apprécie bien, il la joue de temps en temps et c'est un peu son perso de la PLS, tu vois. Genre, c'est. De toute façon, à chaque fois que j'ai vu sortir Lucina, c'était la panique option, je trouve. Genre, ouais. Genre Shido était en train de le bouffer, il a sorti Lucina, ça va. Ouais. C'est fini, c'est fini. Et là, c'est fini. Et voilà, ah, c'est Disco Dog qui gagne. Disco Dog qui, historiquement, enfin l'emporte. Ah là là, ils se sont fait un hug malgré tout. 0-2. Ils se sont fait un hug.